Et papa s'est acheté une guitare électrique. Oui. De couleur pourpre. Oui. Et un ampli. Oui, un Fender. Il n'avait jamais tenu un instrument de musique dans les mains. Max dessinait toujours des oiseaux joyeux, colorés, qui buvaient dans la rivière, qui traversaient le ciel. Oui, mais les dessins que nous avons trouvés sous le lit superposé étaient différents. Maman n'est plus jamais revenue. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Moi, oui. Non, personne. On passait des heures entières ensemble, et toujours si près, c'était inévitable. Un jour, tu vas casser une côte. Tout à coup, une lionne a sauté au cou d'une femelle antilope. Elle l'a attrapée par le cou et elle ne l'a plus lâchée jusqu'à ce qu'elle ait étouffé. Tôt ou tard, les buffles les plus vieux se rendent compte qu'ils sont devenus inutiles et que leur lenteur met en péril le troupeau. C'est ce qu'a fait papa, et peut-être maman aussi. Et ce qui est arrivé à Max,